Waouh. Ok. Elle est bonne celle-là. C'est pas banal. Bah quoi? Non, banal. Le décor tout autour de nous qui est tout blanc, ça t'inquiète pas plus que ça. Et surtout qu'on a changé de décor au bout d'un épisode là. Si je me concentre un petit peu en y réfléchissant, je crois que c'est 4 épisodes avec le même décor. Donc là, il y a un problème, mais toi, ça te dérange pas. Non! C'est vachement propre. Propre? Bon, c'est vrai, c'est propre. Mais comme, c'est flippant quand même. Ah non, moi je trouve ça vachement apaisant. Pour une fois que c'est pas une cave dégueulasse avec des fioritures qui traînent par terre. Détritus. Ouais, des petits trucs qui traînent un peu partout. Ben, au moins là, je trouve qu'on se sent détendu, raffermi, seringue. Un peu comme si on se retrouvait dans une oasis au milieu d'un désert. Moi j'aime bien les endroits comme ça. Thébaïde. Suis pas ide. Suis pas idiot, tu veux dire? Non, c'est pas ça, non. Et quand je te dis Thébaïde, je te parle pas de toi en fait. C'est pas comme si je disais T avec la conjugaison. C'est que la syllabe T, baïde, tu vois. C'est comme un mot. Enfin, c'est un mot. Ah, comme le thé à la menthe ou aux feuilles. Sauf que là, c'est pas chinois, mais c'est baïde. C'est comme Bali, mais baïde. Thébaïde, c'est un lieu désert ou sauvage dans lequel on se rend pour vivre une vie tranquille ou sereine, hein, et pas seringue. Tu vois, par rapport à avant. Ah, d'accord, et c'est de là que vient le thé, parce que ça détend. Non, on s'en fout du thé, ça n'a rien à voir avec une thébaïde. Mais le thé, c'est chaud comme un désert et c'est doux comme une oasis. Thébaïde, ça vient de la région désertique de Thèbes, en Égypte. Mais pourquoi là-bas? C'est un lieu où se retirer des ermites chrétiens pour vivre une vie austère, simple et pauvre, et en solitaire. J'ai remarqué, t'aimes bien parler des ermites et des mecs solitaires qui font des trucs pour leur foi, avec ceux qui mangent pas dans leur assiette aussi. Les ascètes. Ouais, si tu veux. Mais ton histoire de décor blanc, ça a justement un rapport avec les assiettes. Les ascètes. C'est blanc une assiette, et là c'est blanc. Donc on peut supposer qu'on est des ermites, qu'on est en thébaïde, et qu'on se rapproche de la pureté blanche. Donc là on est proche de... Ben, proche du propre. T'es... Pas idiot, je sais. Non mais la thébaïde, c'était bien comme idée.